Je vais essayer de faire quelques exercices qui mélangent danse organique et danse moderne. Comme ça, j'espère vous faire plaisir à tous. Je vais juste ajuster pour qu'on voit peut-être un peu les pieds. Pardon. Voilà. Ok, bon, on me voit grosso modo. Je peux reculer encore. Ok, juste tu commences à balancer ton poids du corps. D'un pied sur l'autre. T'essayes de ramollir tous les muscles qu'il y a autour de tes os. Et en même temps, tu te connectes avec l'espace qui est autour de toi, entre ta peau et l'air qui est tout autour de toi, où que tu sois. Tu te mets parallèle, les deux jambes parallèles, les deux pieds parallèles. Tu continues d'avoir ce mouvement. Mais doucement, tu vas transférer ton poids du corps de derrière vers l'avant. Complètement sur les orteils et complètement sur les talons. Tu opposes avec le dos des mains qui va devant et le bassin qui va derrière. Tourne tes paumes de main vers le ciel. Et au contraire, tu laisses passer ton corps à travers tes mains. Tu pousses tout devant toi. Et hop, chaque fois ça commence par les mains. Tu gardes tout le long le mouvement vivant à l'intérieur de toi avec une légère ondulation. Tu fais la même chose ici en pliant tes genoux. Du coup, tu vas dans la courbe devant toi. Profites-en pour allonger tes lombaires derrière. Laissez glisser les muscles de tes cuisses au-delà de tes genoux. Tu tournes les paumes de main. Tu tends. Pousse à nouveau ton bassin vers l'avant et amène ton visage vers le ciel. Et à nouveau, dos des mains, poids vers l'arrière, plié courbe. Paume de main vers le ciel. Tends tes genoux doucement. Tu laisses aller le mouvement jusqu'au-delà de ton sommet du crâne. Et le bout des doigts va chercher derrière toi. Tu reviens en face tranquillement. Plie tes deux genoux, amène tes deux coudes, comme si tu enlèves un pull. Tu continues d'étirer tout ton côté droit, de le suspendre vers le ciel et tu laisses couler complètement ton côté gauche. Ou l'inverse, hein. Ok. Et puis tu plies et tu continues la courbe. Tu laisses ton buste aller jusqu'en bas et doucement tu tends tes deux genoux. Fais des petits noms avec la tête, des petits oui pour être sûr d'allonger tes cervicales. Puis tu plies tes genoux et tu déroules doucement vertèbre après vertèbre. Et c'est comme si tu prends toute ta peau et tu l'enlèves comme un pull. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu es complètement soutenu par tout un côté et tu relâches complètement l'autre. Relâche même la peau de ton visage, toute la chair qui entoure tes mollets. Et hop, tu continues ici. Enroule jusqu'en bas et étendu les deux genoux. Et à nouveau, plie les deux genoux et tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu reprends doucement ta petite danse du début. Avec tes avant-bras, imagine que tu portes tes avant-bras. Imagine qu'avec ta chair, tu portes tes os sans force.
Tu vas t'amuser à soulever des parties de ton corps et à laisser le reste tranquillement fondre dans le mouvement. Soulève une épaule et laisse le reste fondre. Soulève un genou et laisse le reste fondre. Soulève une hanche, laisse le reste fondre. Mais tu reviens en parallèle, largeur des deux hanches, ne quitte pas le mouvement. Soulève un genou et fais des petits cercles avec et l'autre, et plusieurs fois. Très moelleux dans le sol. Un cercle, moelleux, plié, garde ton plié, mais très souple, sans tétaniser du tout dans les muscles. Tu laisses faire l'écho juste de ce simple mouvement à l'intérieur de tes coudes, de ta tête, entre tes omoplates et tes épaules. Et tu vas de plus en plus haut avec tes genoux. Amène tes bras de chaque côté et demi-plié, tranquillement, en douceur, tendu, demi-plié et tendu. Et comme tout à l'heure ici, hop, t'enlèves un pull, tu tires ton côté droit et tu lâches ton côté gauche complètement. Mais tu continues toujours de tirer. C'est comme si tu pouvais sentir avec le bout des doigts qui est perché vers le ciel. Tu pouvais sentir vraiment tout le trajet qui va jusqu'à l'appui de tes pieds. Et comme tout à l'heure, hop, tu fais court. Là jusqu'en bas, tendu. Et puis il déroule. Et l'autre côté. Tendu et puis déroule. Tu vas mettre en action ta jambe droite à partir de tes côtes à droite ici. Tu peux mettre la main sur tes côtes. Tu fais des petits mouvements comme si tes côtes viennent toucher tes doigts. Et tu laisses résonner tout ce mouvement dans ta jambe droite. Fais des petits, vraiment des micro-mouvements pour sentir tes os qui ondulent sous ta chair et qui produisent tout un écho le long de ta jambe. Puis tu fais l'inverse, tu fais des mouvements avec ton extrémité, le pied droit, jusqu'à ce que tu sentes l'écho de ce mouvement sous tes côtes. Et puis tu ranges plié et tendu et tu fais l'autre côté. Touche tes côtes. Laisse passer le mouvement à travers ta hanche, ta cuisse, ton genou, les chevilles, ton pied. Occupe toute cette distance comme un long pan de tissu que tu plisses, que tu déplisses. Sens combien ta jambe pèse et en même temps laisse-la flotter quand même, sans force. Et tu fais l'inverse, tu bouges tes extrémités, ton pied, jusqu'à sentir l'écho dans tes côtes. Et tu plies et tu tends.
prends la seconde, en dehors. Tu bascules ton poids légèrement d'un côté et de l'autre. Concentre sur une grande horizontale. Allonge tes bras comme si tu voulais sortir toi-même de ta peau. Tu pousses et tu rentres dans ton plié. Et en même temps, tu gardes entre tes deux genoux qui s'écartent, tu gardes un bassin très souple, très tranquille. Essaye de sentir combien pèse ton coccyx, ton pubis, et tu continues de pousser de chaque côté. Yes, ok. Et oh, tu lâches l'effort. Tu fonds doucement dans le mouvement. Tu vas fondre d'un côté et de l'autre pour occuper de plus en plus l'horizontale autour de toi. Seconde. Et comme tout à l'heure, t'enlèves un pull, tu tires tout un côté, tu lâches l'autre. Continue ici, relâche devant, tendu. Lâche tout un côté, suspend l'autre, grandis jusqu'à l'infini. Ah, et au centre, et tendu. Et plie, déroule. On revient avec cette histoire de cercle des genoux. Cette fois dans toutes les directions. Imagine qu'il y a comme un rebond, hop, qui t'amène vers le ciel à chaque fois que tu poses ton plié ou ton pied moelleux dans le sol. Oh, il y a quelque chose qui t'amène vers en haut, comme un trampoline. Et t'en profites pour soulever des parties du corps sans force. Et tu reviens du coup en première, ici, dégagé, devant, plie, soulève sans force, pointé et fermé, et une jambe sur le côté, plie, éloigne, fermé, et derrière, plie, éloigne, et fermé, et plie les deux, et à nouveau genou. En laissant tout ton corps participer et tu te replaces et devant, plie, range, côté, plie, range, et derrière, plie, et range. Garde la même jambe et fais des ronds de jambes. Pense à l'incidence que ça a dans tes côtes, mais aussi dans le sommet de ton crâne, dans tes bras. C'est un rond de jambe qui a des répercussions partout et tu changes. Chaque fois, tu sens comme les ailes de ton bassin qui s'ouvrent. On revient à jambes parallèles et pour terminer, on va faire une série de rebonds, ok? Ici pour laisser passer le sol à travers toi, relever, bounce, relever, bounce.